Salut mes zappeurs, bonjour et bonjour à toutes. Ça fait longtemps hein, qu'on s'est pas vu, c'est la rentrée. Nous tous on fait notre rentrée. Il fait hyper chaud en Belgique, je vous assure, il fait hyper chaud. Mais bon, on est là parce qu'il faut qu'on tienne le poste. On va être de retour en tout cas avec le podcast. Le podcast, j'explique, c'est moi en audio qui commente l'actualité, comme on fait d'habitude dans le chez Francis Show, hein, ça ne change pas. Rien ne change, on fait la même chose. Déjà, j'espère que vous êtes contents par rapport au zapping que nous vous proposons. Dans quelques secondes, je vais vous proposer la troisième partie du zapping. C'est juste pour vous dire merci, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur YouTube, que vous soyez, parce que c'est sur YouTube à partir d'aujourd'hui, que vous soyez sur TikTok, que vous soyez sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Ça nous fait plaisir de savoir que vous êtes nombreux à nous regarder et à nous écouter. Nous allons reprendre bientôt notre podcast avec les versions audio qui seront disponibles sur Ocha, sur Spotify, sur Deezer, sur SoundCloud, sur Amazon Music, sur Google Podcast. En tout cas partout, nous allons reprendre ça bientôt. Et j'espère que Bogo CP est là. Nous sommes au mois de septembre aujourd'hui, le lundi 4 septembre. Maintenant, c'est votre zapping pour la troisième partie. Et puis, il y aura d'autres parties. J'espère que vous êtes contents. En fait, nous prenons les différents éléments qui sont sur Internet, qui font le buzz. Et on vous propose, sans commenter, rien de notre part. La véritable émission va commencer cette semaine-ci. On vous dira quand, en tout cas. Merci pour votre soutien. Ça nous fait vraiment plaisir. Je vous remercie. Ciao. Tombé amoureux en premier. Qui a dit je t'aime en premier? Qui a offert le premier cadeau à l'autre? Qui a proposé le premier rendez-vous? Qui a fait le premier bisou? Qui fait le plus de câlins? Qui est le plus jaloux? Qui est le plus romantique? Et enfin, qui veut le plus avoir d'enfants? Kaka pona lolemo libala ekimanga lolemo libala ifanga lolemo babuti babetanga lolemo lolemo lolemo. Le président de la République avait diligenté une commission interministérielle constituée de moi-même, vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières,
avec mon collègue, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant, également avec le ministre des droits humains, aussi avec notre collègue vice-ministre à la justice. L'objet de notre mission est, puisque nous y sommes encore, l'objet de notre mission est de nous enquérir des événements, nous enquérir sur les événements qui se sont déroulés le 30 août ici dans la ville de Goma. Nous sommes également accompagnés de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo qui nous a aidés dans le travail que nous avons abattu pour la journée de ce dimanche jusqu'à tard. Maintenant, nous sommes lundi à 10h30. À l'issue des auditions, nous avons auditionné tous les responsables militaires sécuritaire de la ville, c'est-à-dire commençant par les généraux militaires, les commandants de la zone de défense, tout le monde, les commandants de la police, les services de renseignement, l'ANER et la DGM. À l'issue donc de ces auditions et sur instruction du commandant suprême, je vais vous annoncer que quelques responsables militaires ont été immédiatement déférés devant l'auditoire. Il s'agit du commandant de la brigade de la garde républicaine et des commandants régiment. Ils sont placés en détention. Et un procès sera organisé dans les heures qui viennent pour que les responsabilités soient établies. C'est ici l'occasion pour nous d'en appeler au calme. Nous demandons à la population de rester calme, de faire confiance dans les gouvernements et de faire confiance à notre justice qui va bientôt se prononcer. Nous demandons également à chaque famille qui aura constaté la disparition de l'un de ses membres de se signaler auprès de l'auditorat supérieur avec possibilité de se constituer partie civile dans le procès qui va être organisé. Voilà, chers amis de la presse, l'annonce que nous pouvons vous faire ce soir. Nous sommes encore là. Nous allons continuer pendant la journée à recevoir les membres de la société civile et toutes les autres personnalités qui pourront solliciter de nous rencontrer. Je vous remercie. Une journaliste de CNews déclare vouloir recoloniser l'Afrique. La séquence a créé la polémique sur les réseaux sociaux et a choqué tous les chroniqueurs qui étaient présents sur le plateau. Véronique Jacquier a complètement dérapé en tenant des propos scandaleux en direct de l'émission L'Heure des Pros et a indigné le présentateur du talk show. Véronique, on va d'abord enlever le mot recoloniser. Ce n'est peut-être pas une bonne mission. Non seulement qui est tellement connoté. L'éditorialiste s'est ainsi permise une sortie politiquement incorrecte, comme elle l'a précisé juste avant de la prononcer. Alors que Pascal Praud et ses débatteurs évoquaient une proposition formulée par l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy de développer une sorte de plan Marshall dédié à l'Afrique, Véronique Jacquier a fait une proposition surréaliste. L'écrivaine de 49 ans a de son côté proposé de recoloniser les pays africains pour relancer l'économie sur le continent. Mais on aborde un sujet qui est très politiquement incorrect, c'est-à-dire quelque part, pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce qu'économiquement parlant. Oula.